Équipe des plongeurs de nature, bonjour. On est le combien aujourd'hui? On est le 23 décembre, là, du spectateur qui vient voir l'entraînement des plongeurs. On est à Cassis, à Port-Mion, au Rocher de l'Ange. On va faire un petit plongeon de 18 mètres avec une figure, salto avant et demi, et puis le reste en saut de l'Ange. Voilà. Comment tu t'appelles? Jean-Arthur. Jean-Arthur? Oui. Mon fils s'appelle Arthur. Et aujourd'hui, c'est Jean-Arthur qui va faire les vidéos. Voilà, caméra 1. Christophe va plonger de 18, Olivier de 16. On jette des cailloux pour faire fuir les poissons. Les petits poissons qui peuvent être en surface et qui peuvent nous laisser l'arrivée. Vitesse de pénétration dans l'eau, 70 km/h. Christophe va faire un saut de l'Ange. Voilà, donc là c'est le tour de Christophe. Donc il se met sur la dalle. Christophe, c'est un mec qui est bien réfléchi, qui sait exactement ce qu'il fait. Donc il se prépare bien. Là ça fait 2 ou 3 semaines qu'il n'a pas plongé, donc il prend son plongeon un petit peu plus en considération. Voilà, là on le voit bien préparé, il est au bord du rocher. Et il équilibre, et puis voilà, il équilibre, il part, hop, il arrive dans l'eau, c'est parfait. Lionel se prépare, donc il va nous faire 1,5 carpé au 18 mètres, donc ça fait un moment qu'il ne l'a pas fait, c'est son troisième qu'il va faire. Donc là on le voit en préparation, voilà, allez, ça y est, donc c'est parti, voilà, vitesse de rotation peut-être un petit peu lente et atterrissage à l'eau, c'est bon. Un petit jet d'eau douce à l'entrée de la calanque de Port-Mion. Ouais, plongeur de nature, plongeur de Cassis. On est là, on est sur place. On va maintenant au trou souffleur. On a fait le rocher de l'Ange, on se taille au trou souffleur. On est comme ça, nous, c'est tout. C'est interdit, fais gaffe. Et là, pour le trou souffleur, c'est Olive qui va nous filmer. Il a fait son plongeon au rocher de l'Ange, donc pas de problème. Donc aujourd'hui, double entraînement, rocher de l'Ange et trou souffleur. Et là, on est au trou souffleur. Allez, bise. Voilà, ça y est, l'entraînement est terminé. Olive, Dominique, Loulou, Christophe, on rentre, on s'est fait un trou souffleur et c'est la tombée de la nuit, mais c'est trop bien quoi. On s'est trop régalé. Ciao les gars, à plus, bye. C'est sur combien là, Christophe? 77, 18. 77, 79. Ouais, alors on fait une petite inspection, voir s'il y a des petits spots agréables à récupérer à Figuerolles. Hier on a fait trou souffleur, rocher de l'Ange, voilà, aujourd'hui on essaie de refaire un petit plongeon encore. Il n'y a pas de vent, on va voir si on a la patate. On est à Figuerolles, c'est magnifique. Mais là, Christophe, en fait, il a voulu un petit peu changer sa technique. Il voulait avoir les bras plus en croix, plus en position saut de l'Ange, et alors qu'il les avait plus vers l'avant. Voilà, ça, c'est la difficulté quand on change techniquement sa façon de plonger. Bon, ben, on se retrouve toujours avec des petites surprises. Hein, c'est pour ça que l'entraînement est très important. Et il va y arriver, là, je suis super confiant, quoi. Il n'y a aucun problème. En tout cas,
Voilà, 24 décembre, on est au Rocher de l'Ange. On s'est bien régalé, on était tout seul, personne. Alors là, les sessions comme ça, c'est un petit peu particulier parce que y a pas d'encouragement, pas de spectateurs. Du coup, on plonge pour soi et puis pour le coéquipier. Mais c'est bien aussi parce que ça nous aide un peu à gagner un petit peu en difficulté, quoi. Voilà, bye. Voilà, session 79 terminée. Christophe a réussi à corriger dans un deuxième temps le problème qu'il avait eu sur le premier plongeon. Donc tout va bien. Et puis moi, en ce qui me concerne, j'ai réussi à faire un gendarme. C'est un gendarme, c'est entre Christophe et moi. En tout cas, les jambes étaient bien tendues, je suis bien rentré dans l'eau, bien droit, voilà. Tout va bien. Bye les gars, à plus.